que tu as déjà goûté la bonne figue d'Algérie. Par là, c'est un régal, et puis ça fort effet. Si l'on n'a pas la mémoire des dates, on les oublie, oui, mais la bonne figue d'Algérie, tu les oublies jamais. Tu les prépares comme tu veux, les bonnes figues d'Algérie. L'hiver, si tu les aimes chaudes, on te laisse rôtir. Et l'été, si tu les veux bien fraîches, y'a qu'un moyen pratique. Tu n'as qu'à mettre ta figue dans un frigorifique. Figue par-ci, figue par-là, quand ça tombe dans l'estomac. Figue par-là, figue par-ci, vive la bonne figue d'Algérie. Allah knikni li khna li figue, Allah knikni li yana li figue, Allah knikni li yana li figue, Allah knikni li yana li figue. Oh, il comprend pas celui-là ce qui j'y vend, il y a une heure qui gigole comme ça. J'y vends des figues. La figue, c'est la figue. Figue, figue. Voilà. C'est un plat qui guérit tout, la bonne figue d'Algérie. Pour voyager, c'est aussi une nourriture choisie. Si tu t'en vas dans le Sahara, deux fois kip kip ça tire. Tu les bouffes pour les desserts, et puis pour les desserts. Et si vous allez cueillir la bonne figue d'Algérie, faut pas la confondre avec la figue de Barbarie. Car celle-là, elle pique, et si jamais sur une tu viens t'asseoir, t'as ton autre figure d'en bas transformée en passoire. Figue par-ci, figue par-là, quand ça tombe dans l'estomac. Figue par-là, figue par-ci, vive la bonne figue d'Algérie. Allah knikni li khna li figue, Allah knikni li yana li figue, Allah knikni li yana li figue, Allah knikni li yana li figue. Si tu veux bien t'y porter, tu bouffes des oranges.